Les nouveaux riches comme ils ont d'argent et hey, Jay, regarde de pouvoir prendre un jour de manière à la Pablo, qui est absent le samedi 29 avril pendant les vacances?
Oui, mon Il y a un tournoi, il me faut 18 joueurs. Moi je veux. Non, non, mais moi vous dites qui est absent et moi après je vous convoquerai. Je sais pas. Le sera là. Bah je sais pas en fait. Donc vous direz samedi si vous êtes ou pas. Je vais être là. D'accord. Donc c'est pendant les vacances, le premier samedi des vacances. Ouais. Donc ça concernera plutôt les joueurs de l'équipe C et l'équipe D. D'accord. Ok. On se dépêche les gars là, on a trop dit d'aller boire. C'est bon. Deuxième année, on aura fait un petit apéro ici avec les parents avant de partir. On va leur mettre une petite récompense pour tous les deuxièmes années qui sont présents. On mange ensemble et on finira tous les deuxièmes années, ceux qui sont présents bien sûr, à d'un que je donnerai, on finira par un petit tournoi ensemble, tous les deuxièmes années, pour finir la saison. Parce que ni plus ni moins, pourquoi? C'est qu'après, les deuxièmes années, on les laisse. Je les laisse et je prends les Benjamin première année et les poussins deuxième année pour finir le mois de juin. Donc après, il y a un rendez-vous qui sera fait avec Thierry au niveau du BUC. Vous verrez ça ensemble quand vous aurez les papiers. D'accord? Tous les deuxièmes années. Donc on fait comme la dernière. Ceux qui étaient avec moi la dernière, ils l'ont eu. Vous aurez tout un petit cadeau de ma part déjà. Ah. Le comportement de certains qui sont pas bons, mais ils l'auront quand même. Bah, c'est gentil. Mais derrière, il y aura un petit cadeau aussi du secteur, que tout le monde aura. Et on fait un petit repas et finir sur un tournoi. Ce sera sympa, je pense. La dernière, les gens qui l'ont fait, ils ont trouvé ça sympa. Donc on finira. Thank you.
A place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo, ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo, ooh-hoo. When the big black horse said, look this way, he said, hey, that day, will you marry me? Ooh-hoo, ooh-hoo. But I said, no, no, no. No, 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 you're not the one for me. No, 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 no. I said no, no, you're not the one for me. Ooh-hoo. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh-hoo. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh-hoo. Ooh-hoo. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh-hoo. Ooh-hoo. And it said no, no. No, 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 said no, no, you're not the one for me. No, 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 said no, no, you're not the one for me. Donc bah, je vous félicite, contrôle Luc 5-1, vous avez bien joué. Non, 6-1, excusez-moi. Ouais, bah oui, j'étais là. Donc justement, continuez comme ça, là, on a vu des belles phases de jeu. Même si on a changé les postes et tout, c'est pas grave, vous êtes fait plaisir, je pense. Donc on va continuer sur cette base-là avec, j'ai changé l'équipe par rapport à la semaine dernière, j'ai gardé à peu près la même ossature. Donc Margot, toujours dans les buts, ouais. Donc bah, comme tu sais le faire, tu parles, tu replaces la défense sur les corners, n'hésite pas à sortir et c'est plonger. C'est qui le capitaine de l'équipe? Mais il n'y a pas de capitaine. Ça, pas c'est Margot. Et Margot, surtout les dégagements sur les côtés. Hein, toujours sur les... S'y mettre aussi, c'est pas grave, ça s'apprend. Mais le principal, c'est que ça se trouve au milieu. Théo, très dangereux au milieu. Tu reprends ton poste de la semaine dernière, défenseur central. C'était bien ce que tu faisais. Bon, pense à bien rester 2 mètres derrière tes défenseurs. T'aurais tendance à faire un petit peu couvrir. C'est peut-être grâce à lui que j'ai marqué le but du milieu de terrain. Oui, mais c'est pas grave. C'est grâce à toute l'équipe. Et Théo, faut que tu fasses comme samedi dernier. Ouais. Comme si le samedi dernier, j'avais fait la passe. Mais par contre, Théo, t'es défenseur, donc faut que tu penses que t'es le dernier rempart quand même. Donc, toi, ton rôle aussi, c'est de rappeler Simon et Geoffrey, les placer par rapport aux joueurs. Simon, tu vas essayer de jouer à droite, t'as jamais joué à ce poste, mais je pense que tu peux le faire. C'est... Donc ton but, c'est juste de coller l'attaquant. Tu colles l'attaquant, puis bah, ça se termine. Tu montes. Hein, et bah, comme tu le fais dans l'axe, si t'es embêté, tu sors en touche, tu sais le faire ça, donc continue. Geoffrey, reste bien sur ton côté gauche, d'accord? Prends bien ton joueur et reste sur le côté gauche, le lâche pas. Tout le temps, même s'il monte, tu le suis, s'il va à droite, tu le suis, le lâche pas. Comme je l'ai fait. Valentin, oui. Toi, pareil, tu dois prendre un joueur et tout le temps rester à gauche, d'accord? Et jamais venir à droite, t'as triché. Prendre toutes les places sur le terrain. Si. Bah quand il y a des touches, on vient que... Non, tu restes à gauche. Non, tu restes si à gauche. Si les touches sont là, tu restes à gauche. Tout le temps à gauche. Ouais, pourquoi? Bah, quand ça, si on récupère le ballon, t'es tout seul. C'est pas ta et là, t'as le ballon et là, tu peux monter avec et frapper. Aujourd'hui, alors, on va parler dans les buts. On fera une mi-temps comme ça et après on verra une mi-temps. Une mi-temps maximum dans les buts. Deuxième mi-temps, maximum dans les buts. Arrière droit, je vais pas être filmé à 5 joueurs de ça m'énerve. Mmh. Arrière droit. Non, là, tu peux pas filmer, t'es Coco. Gauche Romain. D'accord. C'est bon, Romain. Raphaël dans l'axe, première mi-temps. Ah, ok, je suis en place. D'accord. Milieu droit, Lilian.
Si Emilien, tu ne m'as pas écouté au début, là, tu sortiras. Tu feras comprendre pourquoi. D'accord? Et écoute ce que je t'ai dit. Lâche ton ballon. D'accord? Milieu dans l'axe, Seb. Milieu à gauche, Kylian. Avant, gauche, Kevin. Avant, droit, Coco. Loïc, tu la touches avec moi au départ. D'accord? Ouais, j'ai mis en 3 mètres. Seb, je vais devoir jouer aujourd'hui. Milieu de terrain dans l'axe, d'accord? Circulation de balle. Mettez-moi le pied. N'ayez pas peur du contact. Si on a perdu le contact, on va se faire mal. Si on va mettre le pied, on va pas se faire mal. Hein? N'ayez pas peur du ballon. On est tous mordants. On doit y mettre. On doit y aller, l'attaquer cette balle. Donnez des solutions de jeu. N'ayez pas 3 sous le porteur. Un seul sous le porteur. Un derrière en soutien. D'accord? S'il se fait dérouler comme ça derrière, il peut rattraper. Ok? Et le pushman m'annonce le contraire. Ils ont gagné contre Villarreal. Ça veut dire que nous, on est à 17 points et le premier non relégable, il ne faut pas descendre, ils sont à 6 points maintenant. Et donc le COP, 23 points avec le Villarreal. La Suze samedi là, est allée faire un nul au Villarreal, 0-0. Donc ils ont, eux, 24 points. Ils ont 7 points de plus que nous. D'accord? Avec Allen. Sachant que nous, on reçoit le COP la semaine prochaine, samedi là, plutôt, cette semaine. D'accord? Ces deux matchs aujourd'hui. Coup près. Quand je dis coup près, ça veut dire hyper important. D'accord? Donc je ne vous mets pas la pression, ça ne sert à rien. 6 points sur 4 matchs, c'est largement rattrapable. Si on les bat aujourd'hui, la Suze, ils sont à 7, on revient à 4 points. Sachant qu'ils ont un calendrier hyper difficile. Ils jouent tout le haut de tableau. Les 3 derniers matchs, ils jouaient 2 premiers plus le COP. D'accord? Nous, on a théoriquement un calendrier plus facile. Mais il n'y a pas que la Suze, il y a aussi Villaret, et il y a aussi donc le COP qu'on va recevoir dans 8 jours. De la bombe magique qui fait le froid là, qui répare la jambe cassée. Mais oui, c'est ça qu'il faut faire, ma couille. Oui. Et alors, ça va, c'est pas grave si c'est il est blessé, parce que. Élie de l'autre côté, la charnière centrale ça change pas, Thierry Moreau. On va jouer avec deux milieux de terrain à vocation plus défensive, à savoir Teddy d'un côté, Rémi de l'autre. Vous arrangez droite-gauche les gars. Gilles à la demande de Pierrot de vos milieux de terrain,
hein, pour que tu galopes un peu plus. Et deux milieux de terrain plus offensifs, on va dire. Hein, pareil, droite-gauche, Romain d'un côté, Olive de l'autre. Et Damien, quand il va arriver, bon, c'était programmé qu'il ait un peu de retard. En pointe. 12, 13, 14, Arnaud, Irvine, Marché. Sachant que Arnaud est pas arrivé. Bon, les gars, c'est, je dirais qu'un petit peu à ce moment-là de la saison, compte tenu des résultats, il faut avant tout se faire plaisir. Hein, surtout ne pas se prendre la tête. Les carottes sont cuites, ça on le sait déjà depuis un moment. Hein, moi, je demanderais impérativement qu'on applique les consignes, chose qu'on a du mal à faire depuis un moment. Quoi. On met généralement 20-25 bonnes minutes avant de se mettre dans le bain. Sans doute du fait qu'on a très peu de joueurs d'expérience en B. Là, on a la chance d'avoir deux renforts. Et j'espère que ça va se sentir. Quoi. Ça sert à rien qu'on parle du contexte, les gars, tout le monde le sait, le contexte aujourd'hui, quoi. Donc on sait ce qu'il nous reste à faire pour les trois derniers matchs de la saison, là, pour le maintien. Donc moi, je veux surtout parler du match d'aujourd'hui par rapport à l'équipe, par rapport à la formation et tout. Donc c'est-à-dire, alors Zav, tu vas être dans les buts, hein. Zav pense à replacer tout le monde, à bien parler par rapport à ça, à bien, et puis après alterner, quoi. Dégagement à la main et dégagement au pied. Donc Donald a un peu un poste nouveau là pour toi aujourd'hui, donc libéro. Donc moi ce que je vais demander déjà à ces quatre défenseurs là, donc c'est-à-dire qu'il faut pas prendre de risques. Ça nous vient dans la gueule, on cherche devant, on se fait pas chier. Si on peut créer du jeu, on le fait quoi, mais on se fait pas chier quoi. On évite de prendre trop de risques. D'accord. Donc par rapport à ça, pourquoi j'ai surligné Alban, Rouro et Steve, donc le raton peu, c'est parce que au marquage, moi ce que je veux c'est marquage, c'est-à-dire le mec qui rentre dans votre zone quoi, c'est on y est tout de suite quoi. On va chercher le mec qui est devant soi. Et on est derrière. On est au marquage. Parlez-vous entre vous. Ouais. Surtout ce qui va être important aujourd'hui, c'est clair, parce que ça va être des attaquants qui vont pas mal bouger. Faut penser que c'est des gars qui vont quand même jouer à un bon niveau, qui vont jouer devant là. Ça va être des gars qui vont pas mal bouger, pensez à bien vous parler pour le marquage. Je pense que ça va être très important aujourd'hui, ça va être de se parler, c'est-à-dire ça sert à rien qu'on suit son joueur, hop on décale, tout le monde est à décale. Bon, ouais.
Donc pensez. Hein. Et puis bon, devant ça va être Sébastien Grosbois, quoi. Donc vous avez vu le mastodon que c'est. Donc sur lui, je pense. Faut pas jeter. Faut pas se jeter, voilà. Parce qu'il joue avec son corps. Il sait jouer qu'avec son corps. Donc c'est-à-dire. Il joue qu'avec son cul. Donc à vous de pas vous jeter, d'être bien derrière tout le temps en place. Et de le faire chier, quoi. C'est d'être derrière et de le faire chier. Qu'il joue, qu'il puisse pas se retourner. Parce que c'est un gars, moi j'ai joué avec lui, donc je le sais, c'est un mec qui cherche tout le temps à se retourner, quoi. C'est un mec qui cherche tout le temps à se retourner. Donc les mecs, vous jetez pas, restez bien derrière. Et puis là, par contre, quand il essaye de se retourner, c'est à vous d'être là, hein. C'est à vous d'être assez intelligent pour défendre là-dessus, hein. Donc Donald pense à bien replacer tout le monde, ça va être important, hein. Pense à bien resituer tout le monde au marquage, des choses comme ça. Et toi toujours en couverture, tu dois jamais avoir de marquage toi Donald. Alors à toi de rappeler soit des milieux de terrain derrière pour que le marquage y soit fait, mais tu dois jamais avoir quelqu'un sur le poteau. Hein? Ouais. Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. About you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe ne les remplacera aucune équipe. Ouais, ouais. Ne les remplacera.